monsieur! Ah, vétéran, comment allez-vous? Comment ça, vétéran? Ah, ben je me souviens plus de votre nom, hein. À part Bidabière. C'est Sergent! Sergent Bidabière, d'accord. Sergent Ryan! Ryan, il faut sauver le soldat Ryan, c'est ça? Voilà! Tant que vous portez de la C'est bière, on fera vous! copain! C'est vous, vous avez été sauvé, c'est ça? C'est vous le Exactement! vétéran qui a été sauvé là dans l'histoire, dans le film. Ouais, Ah merde, d'accord, ah oui, c'est mexicain. Bonjour, mexicain. Mais tiens, Mais respect, mais respect, mais respect, mais pendant ta gueule, c'est ça, mais respect. Hein. pardon? Non, mais c'est vous qui me faites que me taper tout le temps, c'est pour ça. Genre, dis mes respects, sergent. Donc, du coup, vous étiez gradé comme vous. Sergent, excusez-moi. Je me suis fait tirer dessus il y a 2 jours par le major, donc. Ah, ouais, bon. Je veux bien faire des petits exercices, mais bon, courir et tout, Ouais, ça non, va mais être là, c'est compliqué de. serbe. Et je vous ai dit de vous arrêter, vous, là, avec votre sale tête, là, continuez, là. Allez, continuez les murs, là, mademoiselle! Sergent, c'est qui? D'accord, monsieur. Sergent, Sale c'est tête, qui? là. C'est qui, elle? C'est qui? Une nouvelle recrue, C'est une nouvelle Ah recrue! bon? Ah bon? Ouais! Elle va être avec nous dans les dortoirs? Non. Dors-toi, rapin! Je vois venir, mexicain, non. Moi, c'est Paco, sergent. Je m'en fous. Paco Moi, je suis Vera. mexicain. Mexicain, ok. Et vous, c'est grande gueule, du coup. On va? Mais comment vous. Oh, aïe, aïe! Non, mais. Grande quoi? Excusez-moi, excusez-moi, sergent. Bon, c'est bon. Non, mais je connais pas vos noms, donc. Non, mais si vous continuez à parler comme ça, mais sur le peuple, vous pouvez piquer, Collègue, d'accord? faites-lui faire les murs, là, ou comme ça va le détendre. Ouais, faites les murs, tiens, ça vous détend votre blessure, ça vous fait du bien à la blessure. Faites comme elle, la T'es blessure. sûr? Ça va pas Ouais, me. vous allez me dire grande gueule, ben on va voir si ça va Et assumer maintenant. puis discuter avec ma collègue de Non, travail, non, vous alors. n'allez pas discuter, vous allez faire les murs, vous allez monter les murs, quand même. Allez, on se dépêche là, mexicain. Ah, ça fait mal. Oh, la Ah, ça fait peau. mal, hein. Allez, on continue. Putain, même la gonzesse va plus vite que toi, mexicain. Ah, mais c'est Même pas de une ma gonzesse va plus faute. vite que toi. Alors que ça devrait être l'inverse, regarde, même la Monsieur. gonzesse va plus vite que Monsieur, toi. c'est bon là. Je Continue, je t'ai pas dit de t'arrêter. crois que j'ai fait 10 tours Continue, de trucs là. je m'en fous, je t'ai dit de Vous t'arrêter. voyez pas qu'elle transpire comme Je n'importe m'en quoi. Elle fous, va tomber dans les allez. pommes si elle continue, vaut mieux pas. Et c'est qui les chefs? C'est vous là ou c'est moi? D'accord, sergent. C'est Allez, on quoi trop continue. celui-là? Ah la pute. Ils sont des appuyants là, vous. Elle joue à chat de perché. C'est moi qui vais vous foutre une chatte partie dans la gueule, Non, mais là, je suis vraiment fatiguée, monsieur Bon, allez, sergent stop, stop, instructeur. stop. Hein. Pendant récupération, allez. Ah, merci beaucoup. Vous avez 30 secondes de récup. Quoi? 30 secondes. Je m'appelle Luna. Nona. Luna. Mais on se tait Oh, on là! fait là ou quoi dans les rangs? J'ai dit de parler? Ah bah tiens, pour la peine, vous allez refaire du mur. Allez! Excusez-moi, il est où, C'est parti! Il est sérieux? On n'est pas vu! Ah, Où, on a pas vu colonel? le On n'a On a pas pas vu vu le colonel. Colonel réel. Oh putain, alors toi. Ah, c'est bon, je rigolais, c'est genre, arrêtez! Bon, on peut même plus faire de blagues, quoi, c'était. Allez, dépêchez-vous, Oh, vous êtes sûr. j'étais Bon, là! arrête, c'est qui? Allez, Allez, on pleuvez, continue. pleuvez, Luna, Merci, allez, Luna. allez, allez, Luna, allez, Ah, bah tiens, allez, Luna, t'oses allez. parler? Allez. Bah tiens, tu vas en faire 100 de plus, Mais non, mais c'est mexicain. pour la Ouais. motiver, c'est pour la Allez. motiver. Mais Allez, on vous êtes continue. sérieux, sergent? Je commence à tétaniser là, je veux plus Ouais, te bah je m'en lire. fous, hein. Ah. Vous avez donné Moi, des j'ai mal ordres dans mes bras. à votre camarade d'armes, et vous allez assumer. Elle fait quoi? Elle fait pas les pompes, la seigneur à côté de moi, elle se fout. Si. Non, on fait pas les pompes. Fais les Allez. pompes, je vais en faire pour toi là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Eh, mexicain, je suis en train d'en faire là. Et là, c'est bon? Voilà. Là, tu Voilà, pompes bon. bien là. Là, c'est bien Ok, là. ouais, je pompe bien, oui. Oui. Claro, claro. Mexicain, ta gueule. Pourquoi vous rigolez, sergent instructeur? Pour rien, Pour une fois que je le fais rire. Hein. Oui, c'est vrai. On se comprend, c'est un mexicain. Voilà. Allez, debout. Allez, encore. Ah bah voilà. Ah, les recrues. Oh là, et bah dis donc. Par contre, Colonel, monsieur. c'est un honneur de vous rencontrer à nouveau. Mais aussi, etc. Garde Ah à bah vous, là, voilà. la nouvelle. Quand il y a un chef qui arrive, c'est toujours garde à vous, là, on Ah, dépêche. pardon. Ah, pardon. On dit La... oui, sergent, on dit pas de Alors, pardon. rien que pour le pardon, regarde. Tout à l'heure, elle me disait.
Aïe! Tout à l'heure, elle me disait, oui, je suis la plus belle, je suis une princesse, blablabla. Eh, princesse de quoi? Elle va faire des choses comme tout le monde. Bah, quoi, regardez sa coupe de cheveux, on dirait une choucroute. Pardon? Oh, il y a eu un appel, il y a eu un appel police. Rien, c'est bon. Une princesse ici, t'es quoi ici? Tu prends pour une princesse? Tu prends pour la monica? Je m'appelle Luna, monsieur. Je m'en fous de comment tu t'appelles. Putain, mais je te le dis 50 fois, tiens. Putain, c'est une baffe. Bonjour. Aïe! Hein? Je m'en fous de savoir comment tu t'appelles. Comment ça? C'est clair? Le véhicule derrière là-bas, c'est qui? C'est quoi ça? Et quand le sergent instructeur, quoi, ça vous dites de vous mettre en garde à vous, vous mettez tout de suite. Et par contre, après il faut dire repos parce que là je commence à avoir une crampe, hein. Y en a qui sont morts comme ça. Putain! Oh, ça tire! Arrête de dire ça à lui là. C'est quoi ce bordel? Vous restez là! C'est pas ce quoi là? On peut intrusion de la base militaire, il me semble! On peut vous aider? Non, vous! Un sergent instructeur, restez avec eux, ouais, gardez-les, on s'en occupe. C'est les évader Sergent instructeur, c'est le moment de faire nos preuves, donnez-moi une arme, je peux non, vous aider. Non, on ne donne pas d'arme, c'est bon, j'ai utilisé un pistolet quand même, je suis pas débile. Hé, ici, tu te la fermes, t'es ferme quoi. Non mais voilà. C'est pour aider le sergent instructeur. Voilà. Allez, on va continuer à faire la formation militaire. À mon commandement, demi-tour, droite. Allez, on y va. Non, on marche. Stop. C'est ça, après? J'ai dit de l'ouvrir, vous? Allez, non, pardon. Donnez-moi. Si vous voulez... Ah, mais c'est un évadé, oh putain. Restez dans le camtar. Quoi, oh, c'est un évadé? Quoi? Attends, faut qu'il y aille voir, hein. Il est vraiment pas net, hein. Non, attends. Viens, viens, vas-y. Ouais. Oh. Mais regarde. Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, c'est quand je sors? Tu bouges pas, toi! Ah, putain, c'est lui! C'est Marco! Bon, Marco! Marco! Allez, sors, Paco! Marco! Oh, là, Paco! Il dit pareil, toi? Oh. Ah, mais il aime bien le gitan! Retourne dans le camion! Et c'était qui l'individu alors? Je m'en fous, retourne dans le camion! Ok, sergent! Allez, rejoignez les rangs! Et il va reprendre avec nous, lui, là? Hein. Ouais, il va reprendre un petit ami, si vous voulez. Alors toi, tu vas bouffer ta merde. Je te préviens. Bon, excusez-nous, les gars. Te calmer, toi. On va prendre des choses. Oh putain, alors. Écoute-moi bien. Il y a toutes les recrues qui se tiennent à carreau, sauf toi. C'est pour ça, vous me pompez ça dans la figure depuis tout à l'heure, ça me saoule. Écoute-moi, il y a toutes les recrues qui... Je suis l'exemple de tes amis, là. Excusez-moi. Ils tiennent à carreau. Il va mettre ta tenue, dépêche-toi, là. Allez, il va mettre sa tenue, viens. Tu me suis. Excuse-moi, monsieur Derek. Excuse-moi, c'est les filles. Monsieur colonel, Paco, t'as encore envie, Paco? Ken, c'est toi, c'est quoi ça? Putain, dépêche-toi! Va, dépêche-toi! Ouais, il s'est encore envie, amigo. Qu'est-ce que tu dis? Putain, tu m'as fait peur! Oh, tu vas! Hé, dépêche-toi! Suis le colonel, dépêche-toi! Discute-toi avec tes amis un peu, pour le moment, on va se changer. Désolé. Bon, vous faisiez quoi à côté de mon avion là? Ah, on leur apprend. C'est mon avion, celui-là. On est en train de respecter ah pour bon spécialité. Ah oui, c'est autant pour moi, oui. J'avais pas vu le numéro. Alors, du coup, vous avez le choix, comme je dis. Machine, là. Je m'appelle Luna, monsieur sergent bon, instructeur. Ça sera machine. Si le sergent demande que tu t'appelles oui, machine, ça sera machine. Tout à fait, bien reçu. Alors toi, tu vas prendre tarif. Aïe. C'est bon, c'était une petite blague. Non, mais c'est... Monsieur. Excusez-moi. Alors là, c'est j'en bon. Fais un cas personnel. Non, mais j'ai un moyen plus radical. Bon, il y en a un tarif. Ça sert vraiment de gagner. Oh putain, il y a de l'arbre et tout. Sergent, dégagez. Oula! Sergent, mais monsieur, vous voulez pas écouter? Ah! Ah putain, mais c'est monsieur... vrai que ça sent jusqu'à là! Tenez, je donne plus des fous d'or! Ça sent quand même le vieux manoir! Tenez! Tu sens qu'il y a du vécu dans la bouche! Hein. Ah oui, non, mais... T'as affreux! Il a trop mangé d'oignons!
Ah, excusez-moi, j'ai 39,45 dans sa bouche, hein. Bon, plus ça, hein. Il y a même quelqu'un dans sa bouche. Ah ouais. Oh, ça me donne presque envie de chier. Oh putain. Non mais. Oh putain, mais. Oh, il chie en plus. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Ça me donne envie de chier, j'ai trop peur. On est où là? C'est quoi cet endroit? Sergent, c'est un ordre. Allez, des animaux. Allez, vous désinfecter, allez, vous couper les. Je sais pas, vous arracher les dents, peut-être. Vous voulez faire quoi comme spécialité pour que j'essaie de vous apprendre des trucs, mais vous allez pas l'air. Moi, combat. Et elle, c'est quoi elle? Tu voudrais faire quoi toi? Je suis un homme d'action, lieutenant, vous comprenez? Hein, je suis un homme d'action. Et toi? Un homme d'action qui se fait attraper même pas un jour, Miskin. Miskin, vous m'avez tiré dessus, comment ça? Oh, l'homme d'action, il a ce pas très bon, l'homme d'action. Elle veut faire quoi là, la bimbo? Moi, je veux conduire des avions comme ça, des monsieur. Des voitures volantes. Des voitures. Oui, des voitures avec des ailes, hein. Non, je vous ai dit. De toute façon, excusez-moi, hein, mais ça se voyait qu'elle avait une tête de toxico, donc. Ouais. T'avais pas vu la tienne, monsieur? Voilà. Wow, oh merde, il... Non, mais vous me traitez de toxico. Alors, on va faire un cas personnel encore une fois. Elle porte le femme. Il va falloir la redresser, je te préviens. Ah, mais il t'a pas vu là. Non, ne touchez pas la femme. Non, mais on lui les fout. Alors, toi. On a dit pas toucher au sergent, pas toucher à ma voix et pas toucher à mon physique. Pilotage de quoi, ouais? Marie de Momodawa. Oh putain. Non, c'est un nom d'avion ça, Marie de Momodawa. Je vais me le faire, hein. Marie de Momodawa. Ah, vas-y. Mon cabot de bouche. Ça, c'est un gros l'avion, ça. Elle était bonne, celle-là. Elle était très bonne, Major. Elle était très bonne. Ah, je confirme, Major. Vous avez été bon. Le colonel. Eh, colonel, vous êtes le meilleur. Vous déchirez tout, colonel. Montez sur l'aile. Je vais vous déposer plus vite. Ah ouais, moi je suis chaud, colonel. Ah, vous êtes le meilleur, colonel. Aïe, Tu me suis, je t'ai pas dit de faire le coup. Mais c'est le colonel qui m'a dit de monter sur l'aile, c'est le colonel qui m'a dit. Silence. Alors du coup, ici on est dans la tour de contrôle. Oh putain, mais là, tu vois. Ah mais arrêtez, c'est bon. Mais c'est plus fort que moi. Glissé. C'est plus fort que moi. Aïe. Il aime bien taper, sergent. Tiens, et vu que c'est puni, oh là. Non mais ça se voit pas en ma tête que je suis un gros mot. Colonel, un peu de ça. Ça se voit en ma tête donc que je suis un gros mot. Oui, c'est vous l'êtes. C'est vous voulez. Un colonel, arrêtez de dire des choses comme ça, parce que là... C'est trop. Ouais. Ah, du coup, colonel, on sent un peu... On a bien travaillé aujourd'hui. Ah, je pense qu'aujourd'hui on va leur laisser champ libre. Bah, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de sortir ici, mais on peut se balader dans notre dortoir, tout ça. Affirmatif. Bon, soit il est libre. Vous restez dans la base. Vous voulez dire qu'ils vont, ils vont se balader dans la base comme ça? Non, mais il y a là-bas, au camp. D'accord, oui. Ou sinon, on leur laisse une permission pour aller droit. Ah ouais, ça serait cool ça. On était sages, on n'a pas essayé de s'enfuir. Histoire qu'ils aillent acheter à boire, à manger, qu'ils aillent se laver, qu'ils aillent faire leurs besoins. On aille se vider, ouais. Il faut qu'on aille se vider, colonel. Oui. Allez voir les meufs, les. Par contre, colonel, major, quand vous parlez, on vous entend. Hein. Moi, je le fais tous les soirs. Je veux vous voir demain, 6h du matin, ici, compris. Ah, vous allez où? Vous allez où, là? Ah, on va pique-niquer. On va pique-niquer. Quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez. Tu vas. Pique-niquer. On va manger un petit quelque chose, quoi. Voilà. C'est surtout elle qui va manger un petit quelque chose, je crois. Hein. Quoi? Ah, bien joué, Marco. Vas-y, bah, je te laisse alors. Hein. Beaucoup, ah, merci. Hein. Ah, tu viens? Il va venir où? Jack, lui? Ah, ici. Où venir? Bien sûr que oui, vous allez où venir? Ah, d'accord. Bah, vous nous aidez pas à nous enfuir là? C'est une technique? Oh putain! Allez, personne sort. Ta merde. Personne qui sort. Oh mais... Et dites-moi aussi Ken. Dites-moi aussi à Ken, y'a personne qui sort. Putain de merde. Marco, je suis désolé, Paco. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas m'engueuler. Ah mais... Ah rien. Dites-moi aussi à Ken, personne sort. Oh mais non, mais t'es sérieux, mais... Julien, tiens, dans ta gueule. Gros bâtard, gros bâtard. Bise ta mère. Dites-moi aussi, Ken, dites-moi aussi. Dites ta mère. Dis-lui, Rorez, voilà. À toi, Deya, Nick, à toi, frère.
Non, non. Vous faites foutre à cause de bon, vous. Bon, allez, 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 je vais vous laisser sortir. Vous fermez votre bouche. Et demain, 6h, je veux vous voir à l'entrée de la base. Allez, sinon, la heures. Prochaine fois qu'on vous voit. 8h. 6h, j'ai dit. C'est bon, ah, colonel Pébot. Sinon, la prochaine fois qu'on vous. D'accord. La prochaine fois qu'on vous voit, on vous abat, compris? Bande de comment? Écoutez-moi, c'est le colonel qui vous parle. Écoutez-moi. Arrêtez vos bêtises, descendez de cette voiture, petit, ouais, avant que je te tape. Rentre là, mon garçon, rentre là. Rentre là, t'en touches ta maman. Descends de cette voiture avant que je m'énerve tout fort. Rentre, rentre, rentre. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu veux qu'on rentre, mon garçon? Oui, voilà, tout à fait. Tu veux qu'on rentre, rentre. Viens, on va au tequila là. Ouais, on va au tequila là. Je vais pas là-bas parce qu'il y a Marco avec Luna, hein. C'est juste comme ça par hasard. Moi je l'appelle Lachnuna. Pourquoi Lachnuna? Lachnuna. Lachnuna. C'est Lachnuna. Lachnuna. C'est pas le rhume ça? Lachnuna, c'est la mort. Lachnuna. Hola les chicas! Mais... Hola les chicas. Oh, dedans. Oh. Ça va quoi? Ah, vous êtes venus au même endroit que nous. Oh, bah, ah non, vous êtes sérieux là? Claro, ils sont venus au même endroit. Pourquoi t'es assis par terre? Je vais inviter ma meuf aussi alors, je vais inviter ma meuf. Pourquoi t'es assis par terre? Oh non! Ah, reste, ah, les gars, gars écoutez-moi bien, écoutez, je vais inviter ma meuf là. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, d'accord? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est avec un mec. Non, 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 je t'ai pas dit. Quoi, tu m'as pas dit? Quand j'étais pas là, tout ça là. Ça y est, on est ensemble, j'ai une copine. Bon, vas-y, invite ta meuf. Vas-y, bah, invite là, on verra si c'est ta meuf quand elle viendra. Tu vas voir, c'est ma meuf. On verra, on verra. On va voir. C'est bon, Marco. Marco, j'ai pas mis la fleur. Parce que la plus belle fleur est déjà devant moi. Hein? Toi, tu vas te calmer de suite. Hein. Merci moi, je te beaucoup. Le dis. Hein. Pas besoin de fleurs. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Hein? Mais quoi? Là, ta femme qui va venir. Hein. Oui, mais c'est un compliment. Alors? Ah, tu parles pas de fleurs avec ma copine. D'accord. Avec ta copine? C'est déjà ta copine, Luna? Ouais, tu confirmes? Ouais. Luna, c'est tu. Vrai, Luna? C'est vrai, Luna? Non, c'est juste un ami. Ah, oh, comment ça, je suis ta meuf? Hein? Non, mais on s'entend bien, quoi. On avait une début de relation, hein? Ouais, mais là, je crois que tu vas un peu trop vite, non? Bah. Et rapido, rapido, hein? Oh, je reviens. Je vais aux toilettes. T'es pas vexé? Là, bien tes mains! Quoi, qu'est-ce qu'il y a lui, à moi? Lui, c'est le rejeton, lui. Lui, il est pire que Marco. Je suis pas un rejeton, la vie de ma mère, hein. Moi, j'ai trop de flow. Hein. Lui, c'est un consanguin, lui. Je suis pas un consanguin. Hein. On rigole avec toi, Rorez. Ah ouais, mais là, pourquoi tu pleures? Tu pleures, Rorez? Attends, c'est normal, tu sens les hérissons. Ah, le hérisson? T'as mangé des hérissons? Oui, j'ai des hérissons. Ça, c'est le gitan, ça, il a dû lui faire goûter une des spécialités locales de chez lui. C'est trop. Courage, la chica, tout ça. Du coup, là, je te présente Paco, tu connais, mon ouais, gars sûr. Je le connais. Bras ouais. Droit. Ravi de voir Paco. Ah, voilà. Pareil. En face de toi, je te présente Luna. Enchantée. 20 ans, voilà. Enchantée. Elle aussi, elle bosse avec nous. Enfin, bosse. On est des élèves, quoi. Ouais, en fait, ouais. Si tu veux, là, nous quatre. Enfin, on est 5 là en haut. Et on a encore des autres, mais ils sont enfuis, ils sont pas revenus. Ben, on est condamnés normalement à mort. Et il y en a en prison. Moi, déjà, moi et Paco, on était condamnés à mort parce qu'on a vu des trucs. Tu te souviens? Ouais, t'es au courant, chance. Toi. Tu vois, toi, t'as de la chance parce qu'ils auraient pu te retrouver et tu serais avec ouais, nous. Ouais, bah, hein. Ils m'ont pas retrouvé. Ben, ouais, imagine, tu serais avec nous là. Ouais. Vas-y, c'est pas une mauvaise chose. Tu veux pas venir avec nous? Non, j'ai du boulot là. Tu viens bosser avec nous. Ils payent aussi là-bas. Il te frappe juste toute la journée, c'est tout, hein. Non, ça, c'est pas pour moi, je pense. Si, t'es bien payé. Non, on est même pas payé. On est payé 800, frère. En plus, avec la crise économique, c'est... Voilà. Bon, et du coup, on est obligé de faire service militaire. Rester là-bas, enfermé. Là, aujourd'hui, ils ont été gentils, nous ont laissé sortis. Mais des fois, voilà, quoi. Ouais. Bah, écoutez... Mais Paco, j'essaye de tenir en place Paco, mais Paco, il tient pas en place. Actuellement, je suis chef des mais recrues. Ferme ta gueule! Ferme bien ta gueule, t'es sérieux? C'est moi le chef de recrue. Paco, tu vas venir à l'hôpital, on va t'attacher, hein? Ouais. On va le mettre en cellule de dégrissement, hein? Non, on va passer à l'hôpital, mais on t'a fait. Non, je rigole, place, c'est lui le chef des. C'est moi le padré ici, tu comprends? Enfin, chef recrue, hein, c'est pas. C'est moi le padré. Tu te mets à quatre pattes et tu lâches mes bottes.
Il est au même stade que nous, c'est juste qu'il lui a donné un grade. C'est parce que sinon... c'est le meilleur, que veux-tu, c'est comme ça. Sinon, on doit bosser. Okay. Tiens, en parlant d'avenir, Ken, y a ta petite amie, elle devait venir, elle est où? Elle est où, ta petite amie? Ah ouais, t'as une petite amie? Et c'est pas, il nous a dit. Bah, tout à l'heure, il nous a, tout à l'heure, il nous a dit ouais, il y a ma petite amie qui arrive. Non, mais je crois, c'est. Si. Oui. J'ai. C'est vous, mademoiselle? Allô? Non, du tout. Ah non. Là, c'est Luna, elle est avec nous. C'est qui? Excuse-moi. Allô? Oui, allô? Attends, il y a mon téléphone qui sonne. Allô, oui. Ouais, non, je suis pas là, là. Non, je suis pas là, là, ouais. Voilà, ouais. Ah, Abby, c'est toi, merde! Mais j'ai appelé Abby! J'ai jamais dit petite amie, moi! Bah, j'ai si, dit une amie! Dit tout à l'heure. Non. Une amie! J'ai dit une amie! Non, t'as dit une petite Abby! Non, il a pas dit non, ça! Non, petite Abby! La petite Abby, elle arrive! Ah, putain, je comprends! Ma petite Abby! Putain! Tu comprends mieux, hein! Ma petite Abby, elle est sympa! Ouais, c'est vrai! C'est un peu mon. C'est un peu comme ça, c'est mon ange. Et Abby, t'es encore en couple avec Brian? Non, c'est fini. Abby. Ah ouais, c'est fini. Pourquoi? Mm-hmm. Il s'est passé quoi? Ah, il m'a trompé. Ah merde. Avec qui? Avec une meuf qui dit que c'est sa petite sœur. Quoi? Hein? Elle a quel âge? Ouais. Je sais pas, elle s'appelle Andy, elle a 18 ans. Ça fait mal, ça. Ah bah Marco... Arrête. Laisse-moi descendre. Aïe. Laisse-moi descendre, putain de mort. T'es collé. Aïe. C'est bon, ah, vas-y, mets tes champs, là, putain. Laisse-moi tranquille. C'est bon. Marco, t'as une antenne à la place du front, là, ça y est, hein. Putain, ça l'a fait mal, ça. Non, mais lui, il a un gros front, il sent pas, lui, wesh. Putain, c'est du béton, là, ta tête, bon. Hein. C'est du béton. Laissez-moi tranquille.